Amen. Quel Seigneur bénisse. Amen. Nous allons commencer notre réunion. Il y a l'enfant de la sœur, c'est-à-dire la nièce de la sœur Hop, qui est à l'hôpital au Congo. Elle est vraiment gravement malade. La fille a 13 ans. Elle a eu des complications. Alors là, vraiment, on a besoin de la prière. Donc, nous allons chanter. Je vais ouvrir avec un mot de prière. Nous allons chanter. Et puis, je vais demander si on peut prier pour elle. Je ne sais pas comment la situation est, mais c'est vraiment critique. C'est une fille de 13 ans. C'est très dur pour la famille. Mais nous allons prier pour la fille. Nous croyons que Dieu fera quelque chose. Amen. Il y a aussi les enfants qui sont malades. Il y a Frère Joseph, Rebecca et puis Prince et Christian, n'est-ce pas? Rebecca, Prince, Christian et sa maman aussi. Oh, la maman aussi. Ah là là. Ce sont des fièvres, des grippes. Oui. Épidémie. Ah. Bon, ça s'est contaminé. Donc, ceux qui sont épargnés, donc. Glorifier Dieu. Amen. Et après ça, je vais aussi inviter le frère Israël, il va nous chanter un cantique à l'occasion de la naissance du frère Branham. Amen. Ouvrons avec un mot de prière. Béni sois-tu, Dieu bien-aimé. Nous te sommes reconnaissants pour ton amour. Merci pour ce moment merveilleux, Seigneur. Peu importe, Seigneur, le temps des circonstances, mais notre joie, c'est de te servir. Quand nous sommes devant ta sainte présence et nous nous sentons bien, ce qui est important pour nous, Seigneur, c'est toi, oh Dieu. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons encore désirer dans ce monde si ce n'est pas d'avoir toi? D'avoir toi, Seigneur, c'est avoir tout. Merci infiniment pour la grâce de la prédestination, Père. J'abandonne, Seigneur, tout et chacun en tes saintes mains. Tout celui qui n'est pas ici, Seigneur, toi, tu connais les empêchements, Seigneur. Oh Dieu, laisse que tu puisses guérir ceux qui sont malades et que tu puisses donner la solution à ceux qui ont des problèmes, Seigneur. Je te suis reconnaissant pour ces moments merveilleux, comme nous abandonnons entre tes saintes et glorieuses mains, que tout soit pour ta gloire, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons ainsi prier. Amen. Amen. Nous allons chanter C'est mon joyeux service. Accepte mon offrande. Oh.
Que tu puisses, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, oh, que tu puisses, Seigneur, 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 que tu puisses, Seig
Oh, I'm
I'm sorry, I told you, I know there is more. He was the fulfillment of my luck I fought. Amen. If there is a doubt in your mind that you heard, don't check it from me, check it out from the Word. With an open heart, God has showed you that it's plain that William Branham is this man's name. May the Lord bless you. Brother Israel, that man's name was William Branham. Amen. The 6th of April, a good date. C'était un événement, le 6 avril, la naissance d'un don. Tout ce que l'humanité attendait. L'humanité attendait Jésus qui devait venir. Ah, c'est bon, venu. La venue secrète de la nuit. Jésus est venu à Kentucky, dans une petite cabane, pendant que les humains attendaient. Cela a passé au-dessus de la tête. Nous sommes privilégiés de connaître ceci. Amen. Cet homme, son nom était William Marion Branham. Amen. Nous allons chanter « Olaïma ». On a fait le territoire de fret. Nous allons passer à la parole. Ils sont là, les pasteurs. Destroyez.
chanter un dernier cantique. Source de vie. Reprends mon âme. Thank you.
soit la fontaine de l'eau de la vie éternelle. Comme une biche soupire près de toi d'eau, Seigneur, mon âme soupire, je veux ta vie en moi, oh Dieu. Toi la source de toute intelligence, toi la source de toutes choses, nous venons à toi, Seigneur. Nous abandonnons, oh Dieu, que tu viennes prendre préminence, Seigneur, que tu puisses nous montrer ce que tu as réservé, Seigneur, pour nous. Merci infiniment. Combien te disons merci pour la venue de William Mario Branham, Seigneur. Si ces prophètes n'étaient pas venus, Seigneur, aujourd'hui nous serions, Seigneur, la confusion du monde, Père. Toutes les églises ont enseigné la parole comme ils ont voulu. Mais Seigneur, tu nous as envoyé un prophète avec les signes et les prodiges, Seigneur, accompagné par une colonne de feu pour confirmer son ministère. Nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ dans l'œuvre, dans l'âge dans lequel nous vivons. Voilà pourquoi, Seigneur, nos cœurs sont remplis de choix de connaître, Seigneur, ces choses. Ce qui a été caché en toi dans les derniers desseins, tu as voulu établir un royaume dans nos cœurs. Merci infiniment, Jésus. Nous abandonnons entre tes saintes et glorieuses mains. Bénis, Seigneur, chacun de nous. Sois la solution à tous les problèmes, Seigneur. Tout celui qui est, Seigneur, en train de demander quelque chose, Père, laisse que tu puisses l'accomplir, Père. Nous abandonnons entre tes saintes mains. Seigneur, tu sais que nous sommes nuls sans toi. Tu es notre force, Seigneur. Tu es tout ce que nous avons, oh Dieu. Béni soit ton saint glorieux nom. Laisse que la gloire et la louange te soient rendues. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bon, aujourd'hui, par rapport à la naissance de Frère Branham, j'ai pensé apporter quelque chose à l'occasion de cette naissance. Et je l'ai intitulé le mystère du retour de la colonne de feu. Amen. Nous allons lever pour lecture la parole. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de feu, dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Néhémie chapitre 9. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider les jours dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans les chemins qu'ils avaient à suivre. Un dernier passage, Nombre 14, verset 14. Et ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que c'est toi l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui, les jours dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Seigneur, bénis la lecture de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Comme je l'ai dit à l'occasion de la naissance de notre prophète, je voulais apporter ceci par rapport à ce que le frère Branham a dit, toujours dans le développement des le mystère, là, messieurs, quel est-il? Donc, ceci est une occasion pour moi d'apporter ceci, le mystère du retour de la colonne de feu. Amen. Le frère Branham dit dans ce passage, au paragraphe 262 dans la prédication, messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Il dit ceci, le retour de la colonne de feu, amen. C'est la chose qui est censée arriver.
Et nous la voyons. Oh, quand nous pourrions continuer à nommer ce mystère. Nous voyons cette colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. La même qui frappa Saul en route pour Damas et la même qui vient avec la même puissance, faisant les mêmes choses et révélant la même parole tout en restant mot à mot avec la Bible. Amen. Donc, le frère Branham, parmi les mystères qu'il a énumérés, il a aussi parlé du mystère du retour de la colonne de feu. Bon, quand les gens voient la colonne de feu, ils ne savent pas que le retour de cette colonne de feu, c'est un mystère. Et la colonne de feu, c'est quoi? Et la colonne de feu est venue faire quoi? Amen. Donc, je vais essayer de répondre à ces deux questions par rapport aux citations du frère Branham. Si nous voyons la colonne de feu apparaître dans une photo, ce n'est pas un hasard. Amen. C'est un mystère. Quand nous voyons la photo, il y a quelque chose qui est caché derrière. Pourquoi est-ce que Dieu nous a envoyé la colonne de feu? Alors, pour connaître la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé la colonne de feu, c'est là où nous avons lu Exode au chapitre 13. On dit que l'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de feu. Donc, la présence de la colonne de feu, c'est la présence de l'Éternel. Donc, quand nous voyons la colonne de feu, cela veut dire que c'est Dieu lui-même qui est là. Amen. Dans la colonne de feu, devant eux, les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Si vous allez remarquer que dans tous les passages que je viens de lire, on est en train de préciser que la colonne de nuée, c'était les jours. Et la colonne de feu, c'était la nuit. Dans Exode 13, on parle de la nuée et de la colonne de feu et on précise. Donc, quand nous regardons tout ça, nous regardons tout ce que la Bible dit, nous comprenons la dispensation. Ça nous rend la tâche facile de comprendre l'heure dans laquelle nous sommes en train de vivre. Amen. Amen. Dans Néhémie, verset 9, dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. Et la colonne de nuée ne cessa point de les guider les jours dans leur chemin. Qu'est-ce qui les guidait? La colonne de nuée. Et cette colonne de nuée, d'après la Bible, c'était personne d'autre que Dieu lui-même. Comment est-ce que nous cherchons Dieu pendant qu'il est photographié? Amen. Donc l'homme, sa nature est toujours comme ça. L'homme ne changera jamais. L'homme a vu Dieu dans la chair humaine, il a mangé, l'homme a refusé Dieu. L'homme a vu Dieu dans la photo, l'homme refuse Dieu. Frère, nous attendons Jésus. Mais dans son église, derrière lui, il y a Jésus photographié. Non frère, ça ce n'est pas une venue. Mais on n'a pas de Dieu. Les seuls qui sont là, amen, dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans les chemins qu'ils avaient à suivre. Donc, la colonne de feu d'abord est venue pour quoi? La colonne de feu est venue pour l'exode. Le but de la colonne de feu, c'était de faire sortir Israël de l'Égypte pour les amener à Palestine. Et lorsque on arrivera maintenant à la fin de leur exode, la colonne de feu finit son travail. Et tout ça, le frère Branham dit que c'était des types. Amen. Et ils les diront aux habitants de ces pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple. Comment? Que tu apparais visiblement. Amen. Enfin, ça, c'est la Bible. C'est la Bible. Ça ne demande même pas la foi. Parce que, bah, on dit qu'il savait que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement. Ça, on n'a plus besoin de la foi pour croire ça. C'est-à-dire, si hier, je pouvais douter de l'existence de Dieu, pas aujourd'hui, frère, dans ce message. Dieu nous a tellement aimés qu'il a dit que je vais me faire photographier pour vous.
Frère Branham dit que s'il y a un âge dans lequel j'aimerais vivre, il dit c'est dans cet âge. Parce que c'est l'âge de frère, c'est un âge privilégié, frère. Amen. Un âge où nous avons la photo, frère. Ça, c'est le dessin de Hoffman. Mais la photo, ça, c'est la photo de Dieu. Cette photo est plus authentique que celle-là. Mais vous savez, dans les églises, on prend la photo là, c'est en grand, et la photo là, petite. Manque de révélation. Parce que même dans les messages, les gens regardent la photo là, ils disent que c'est le frère Branham. Mais ça, ce n'est pas le frère Branham. Ça, c'est la photo du Seigneur Jésus-Christ. La photo de l'ange. Frère Branham dit que l'ange là, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et cet ange là, le Logos, qui a appelé le monde en existence, avait changé de forme, il prend le corps de chair pour payer les prix. Quand il a fini le travail de payer les prix, il repart dans sa forme. Il a toujours été une nuée, une colonne de feu. Donc il est devenu comme ça dans un but. Et cette venue qu'on nous avait promis, ce n'était pas une venue comme ça. C'est pourquoi Jésus a dit, trouverai-je la foi à mon retour? Parce que la venue du Seigneur, c'est un problème de la foi. Il faut croire. Les gens pensent que frère, oh, mais Jésus, quand il vient, nous allons le voir. Vous allez le voir avec quels yeux? Parce que si nous voyons Jésus avec ses yeux, on n'a plus besoin de foi. Jésus a dit, trouverai-je la foi? Comme l'éclair va de l'Orient et se réveille en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous attendez Jésus en Israël, pourquoi? Ce n'est pas la promesse, frère. Le libérateur devait venir de Sion. C'est l'épouse qui devait envoyer le libérateur. Et le libérateur, quand il est venu à Sion, il est né le 4, si c'est le 6 avril. Il voulait aller là-bas pour libérer le peuple. On dit que non, 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 tu vas briser le type de Joseph. Tu restes ici. Les Juifs, eux, doivent venir ici. Parce que Joseph n'est pas rentré en Israël. Joseph est resté en Israël. Il a emmagasiné la nourriture en Israël, pardon, en Égypte. Parce que l'Égypte, dans l'Égypte, il y avait la technologie. En Égypte, il y avait tout. C'est en Égypte qu'il devait emmagasiner la nourriture. Et quand Joseph arrive, il emmagasine la nourriture. Il demande, est-ce que mon père vit encore? Il dit oui, amenez ma famille ici. Selon les types, Israël devait venir maintenant là où les dons étaient nés. Il est venu chez les cieux ne l'ont point reçu. Quand il est parti là-bas, il a été rejeté. Directement, il va vers les gentils. Il va rencontrer Paul. Paul, il donne la commission à Paul. Je suis Jésus que tu persécutes. Et le frère Branham dit, quand il est venu chez les nations se l'ont mis à la porte. Il dit, voici dans la Laodicée, il se met à la porte et il frappe. Le frère Branham dit qu'on n'ouvrira jamais. Quelqu'un qui frappe, hein, il est déjà dehors, frère. Quand vous êtes à Laodicée, vous êtes sans Jésus. Amen. Moi, je ne veux pas être dans un âge où Jésus n'est pas là. C'est comme le frère Branham, quand il dessine l'âge, le 7e âge, il laisse la lumière. Dieu vient avec une main surnaturelle. Il enlève la lumière là. Frère Branham dit, oh, est-ce que les dernières lumières sont déjà rentrées? Oui, monsieur. Parce que les élus, c'était ça la lumière de chaque âge. Quand vous voyez le dernier âge, c'est tout le bruit. Ça veut dire qu'il n'y a aucun élu qui est resté là. Sinon, l'agneau serait toujours dans les trônes en train d'intercéder. Quand il a fini d'intercéder pour la dernière personne, c'est là où l'agneau se tient debout maintenant pour récupérer les livres de la rédemption. Le dernier élu devait déjà entrer. Frère Branham dit que si le dernier élu n'est pas entré, l'agneau ne va pas prendre les livres. Amen. Amen. Et le livre de la rédemption, c'est le livre scellé de cet sceau. Le livre est entre les mains de l'homme. L'homme a le livre entre ses mains, mais il dit qu'il attend l'entrée du dernier élu. Dieu m'a compris. Enfin, le message de Frère Branham, il faut suivre bien, bien, bien ce qu'il a dit. Amen. Que tu apparaisses visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui les jours dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Maintenant, qu'est-ce qui est la nuit?
Et qu'est-ce qui est les jours? Vous ne pouvez pas amener la colonne de la nuée de feu pendant les jours. Ça, c'était pour la nuit. Même les types du tabernacle nous ont montré ça. Amen. Là où c'était sombre, il y avait les chandeliers qui éclairaient un peu, qui parlaient de la nuit. Mais quand nous arrivons dans les saints des saints, c'est la descente de la nuée, la grande lumière est venue. On ne peut pas avoir la colonne de feu et la colonne de la nuée. La colonne de feu la nuit et la nuée le jour. Mais dans l'interview de Frère Branham, il dit ceci. Ça marche pas. Ça s'allume pas. Le Frère Branham dit ceci. Very well, Badako. Let's go back to the beginning. I was born in Eastern Kentucky. Je saute ça. I'm told of my parents that there was a light came into the room and hung over me. Quand je suis né, mes parents m'ont dit qu'une lumière est entrée dans la maison et s'est posée là où j'étais. Donc la lumière là est entrée dans la petite cabane, s'est posée sur le bébé qui était né. Amen. Non, frère, c'était seulement les reflets de la lumière. Aujourd'hui, on voit dans le message, quelqu'un va prendre une photo là où il y avait des rayons. Comme ça veut dire que la colonne de feu. Nous avons beaucoup de photos de colonnes de feu aujourd'hui, frère. Votre colonne de feu là, amenez-la à George Lassie. Frère, parce qu'il ne faut pas venir ici quand je prêche. Je risque d'être frappé ici. Attention. Oui, c'est vrai. Il faut éviter de venir ici quand je prêche. Laissez-moi, laissez. Chaque personne a sa colonne de feu. Frère, chose étrange, vous allez voir dans une église, on met la photo de Hoffman, on met la Niwe, on met le frère Branham, et à la fin là-bas, on met la colonne de feu du pasteur. Toi, ta colonne de feu durant le lever du soleil. Nous avons ça, la première venue. Nous avons ça, la deuxième venue. Qui est la venue de la nuit. Il vient comme Roméo et Juliette. Il vient enlever son épouse durant la nuit. Et quand il vient maintenant, dans la venue de tout est le verra, Apocalypse chapitre 1, c'est là où il descend dans la nuit. Il descend avec son épouse. Premier, deuxième, troisième. Maintenant, ta colonne de feu là, c'est dans quelle dispensation? Moi, si je peux créer une image, on me prend une photo comme ça, moi, colonne de l'équipe, colonne de feu, frère. Je vais mettre ça ici. Oh. Eric Tabernacle. Yes. Et le frère madame dit ceci. My people was not religious. Mon peuple n'était pas un peuple religieux. They did not go to any church. C'est-à-dire que les parents de frère Branham n'allaient pas à l'église. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Là-bas, il y avait des grandes églises. Les gens priaient. Amen. Amen. Les gens priaient. Les gens... Je laisse tomber. On va me distraire. Il y avait des grandes églises. Les gens priaient. Mais quand les gens priaient, ils attendaient Jésus. Dans leurs églises, ils prêchaient la venue du Seigneur. Amen. Mais quand Dieu maintenant voulait venir, il cherche une famille qui ne connaît même pas Dieu, frère. Le frère m'a dit que my people was not a religious people. Ça dit que son père c'était un soulard. Mais lui-même il fabriquait même des lotoko. Agame. Zogodo. Le père de frère Branham était un fabricant d'alcool. Frère, Dieu, on ne le connaît pas par l'intelligence, frère. C'est-à-dire que Dieu a voulu confondre les gens. Lui-même, il choisit un endroit. Frère, je ne sais pas. Dieu, c'est un paradoxe. Comment est-ce que Dieu va habiter dans une maison d'alcool, frère? Une maison d'alcool. Le papa de frère Branham, c'était un bandit. Charles Branham. Il avait tué un homme, vous le savez, non? Un bandit, assassin,
fabricant d'alcool. Mais les grands Jéhovah du ciel, alléluia, les grands Jéhovah du ciel choisissent simplement d'aller habiter dans cette maison-là, la maison d'un pêcheur, une maison qui n'était même pas belle. Il n'y avait qu'une chambre avec 8 ou 9 enfants, plus papa, maman. Dieu dit, moi aussi je suis la 13e personne, moi aussi je vais habiter là. Quelque part, c'est pour être perdu de Kentucky, frère. Quand vous regardez l'image là, mais c'est la brousse, frère. Et Dieu se plaît d'aller habiter dans cette maison-là. Pendant que là-bas, les grandes églises, oh, Jésus vient bientôt. Ils attendent Jésus vient bientôt. Mais là-bas, Jésus est venu. Parce que le frère Abraham dit que la lumière qui était là, il dit c'est la même lumière qui avait conduit les enfants d'Israël. Et la Bible nous a dit que la lumière là, c'était Jéhovah lui-même. Amen. Et le frère Abraham dit que la lumière là ne l'a jamais quitté. Ça a toujours été là. Amen. Voilà un grand Jéhovah, le Dieu saint, trois fois saint, qui descendait sur la montagne et les animaux étaient en train de mourir pendant sa descente. Mais le Dieu là-bas habitait dans une maison en fabrique de l'alcool. Dans la maison d'un peuple qui ne connaît rien de la religion, frère. Vous savez pourquoi? Parce que la religion, c'est du poison. Parce que Dieu savait, oh frère, les messages, c'est mieux d'aller prêcher ça à un païen. Mais un religieux, frère, il va te faire des problèmes. Un païen, quand il vient ici, frère, pourquoi vous mettez les photos? Il faut enlever les photos. Oh, toi, tu n'es même pas membre de l'église, tu demandes d'enlever les photos. Pourquoi? C'est ton problème. Ça, c'est notre église. Nous mettons les photos que nous voulons. Moi je dis non, commence d'abord à poser des questions. Et à la fin, tu comprendras c'est quoi cette photo-là. Mais le Seigneur que tu as toujours cherché dans ta vie, mais il est là dans la photo. La colonne de feu que Moïse, quand Moïse marchait devant la colonne de feu, quand la colonne de feu l'a stoppé, Moïse stoppé. La colonne de feu là, c'est le patron de tous les prophètes. C'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous, il nous a fait. Il nous a donné le privilège de se photographier, frère. Pourquoi je ne vais pas mettre cette photo dans l'église, frère? Toutes les églises là que vous voyez là, s'ils avaient la photo de Jésus, un monsieur a dit, si vous m'amenez la photo de Jésus, je vais mettre ça dans mon église. Moi, je dis, tu n'as pas de révélation. Jésus s'est photographié. Mais cela dépend de quel Jésus vous parlez. Les disciples sur le chemin de Maos, leur ami de Galilée, on les connaissait très bien. Après sa mort, sa résurrection, il est redevenu la colonne de feu. Mais il ne sait plus de prendre encore un corps de chair. Il vient encore avec eux, en train de marcher avec eux. Ils étaient tristes. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais toi, tu es un étranger et tu ne sais pas ce qui se passe ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Jésus, l'homme de Galilée, il devait être le Messie. Nous, on l'a suivi, nous sommes ses disciples, mais finalement, frère, on ne comprend plus rien. Il est mort, ça fait 3 jours, mais rien ne s'est passé. Jésus dit, oh l'homme, pourquoi vous êtes là d'intelligence? Merci frère Prince, que Dieu vous bénisse. Thank you. Les hommes, peu d'intelligence. En d'autres termes, pas hommes. Quand on te dit peu d'intelligence, c'est-à-dire que la fille aux hommes, mais la mandé à bien. Ah oui. Vous avez une mouquille, ça veut dire quoi? Pas hommes. Donc, on vous appelle Zoba, mais avec un peu de politesse. Il dit, les hommes de peu d'intelligence, pourquoi vous êtes là à croire ce que les prophètes ont dit? Vous croyez à vos yeux? Mais qu'est-ce qui se passe? Moïse a dit, Élie a dit, Michel a dit, la Bible dit, il leur cita tous les prophètes. Il ne comprenait toujours pas. Il marchait, il marchait. Jésus faisait semblant maintenant. Ok, bon, mes amis, ah, c'était bien de voir la communion avec vous. Bon, ok, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Frère, 3 jours avec lui, non reconnu. 3 jours. Et toi, 2000 ans, tu ne l'as jamais vu. Tu vas le reconnaître comment? Il faut regarder ce que les prophètes ont dit. Moïse a dit que la colonne de feu, c'était le grand Jéhovah. Aujourd'hui, si vous voyez la colonne de feu, sachez que le grand Jéhovah est revenu. Et le grand Jéhovah s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils sont entrés dans la maison, quand il a brisé les pains, le frère Branham dit que les pains, c'est la parole.
Quand il a fait le discernement des pensées, ah, leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont compris, ah, c'était lui. Après, il disparaît. Maintenant, les gens, quand ils couraient, ils ont dit qu'il est vivant, nous l'avons vu. Dis aux gens là maintenant, montre-nous, il est où. Ils ne vont pas montrer. Mais hein, ils ont vu. Même si on leur a montré le monsieur. Parce que le monsieur, physiquement, il n'était pas reconnu. Frère, dans les choses de Dieu, pour voir Dieu, oubliez ses yeux, frère. Amen. Même Pierre qui était avec lui là, Pierre ne le connaissait pas. Jésus, la première venue était déjà accomplie. Pierre était là avec lui. Tous les jours, Pierre ne comprenait pas. Jusqu'à ce que Philippe a dit, mais montre-nous le Père. Il dit, mais oh, mais Philippe, tu ne me connais pas. Mais je suis là devant toi, moi le Père. Tu es le Père comment encore? Le Père dans la chair. Les yeux de Philippe ne pouvaient pas voir ça. Le frère Branham dit que pour voir ça, ils devaient attendre d'abord la chambre haute. Quand Jésus est monté, il est retourné sur la forme qu'il avait toujours eu. Après, en ce moment-là, Jésus vient maintenant habiter en eux. C'est là où ils ont compris que, hey, quel privilège, frère! On a marché avec Jéhovah! C'est pourquoi Pierre maintenant descend. Il dit, homme galéen, répandez-vous. L'homme que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui, Christ est Seigneur. Amen. Quand il a prêché ça, les gens ont compris. Ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Il dit, répentez-vous et faites-vous baptiser. La repentance, c'est reconnaître Dieu manifesté dans la chair de l'homme. Et là, dans la cabine, il est venu. La colonne de feu est venue. Amen. Son peuple n'était pas un peuple religieux. Il dit ceci. It's for me. Écoutez. Of course, this caused quite a stir among them. It followed me all the days of my life. Il dit que la colonne de feu là m'a suivi tous les jours de ma vie. Dans Dieu de voilé, il dit, je l'ai voilé. Et cette colonne de feu là, c'était Dieu lui-même. Quand il est né, le 6 avril. Amen. Le 6 avril, quand il est né, la colonne de feu est venue. S'est posée sur le bébé. Et après, c'est entré dans le bébé. Quand le bébé courait comme ça, pour aller chercher de l'eau pour fabriquer de l'alcool, la voix le parle de là. Il regarde comme ça, personne. Il a couru vers sa maman. Maman, maman, il ne faut pas parler. Frère, frère, la voix venait d'où? Ça venait de lui-même, frère. Pendant qu'il cherchait, qui m'a parlé, la personne était à lui. Mais il était un enfant, il ne comprenait pas. Maman, quelqu'un m'a parlé dans l'arbre. Il dit, ah, Billy, 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 tu vas faire un mauvais rêve, va te coucher. Maman, c'était vrai, j'ai entendu sa voix. Il dit, Billy, arrête. Enfin, le troisième pour c'est entre toi et Dieu. Personne ne peut te comprendre. Deuxième fois, il voit une vision, les pots là, qui tombent avec les gens qui sont morts. Maman, j'ai vu une vision, Billy, arrête. Enfin, on ne peut pas stopper un don. Oh, Billy était le don de l'humanité. C'était l'accomplissement du mystère du retour de la colonne de feu sur la terre. Dans quel but? Dans le but d'amener le dernier exode. Amen. Amen. Il est fait par lui. They took a picture. Recently, they took a picture of it in scientific world as shown here. Il dit récemment, ils ont pris la photo dans le monde scientifique comme vous voyez là. You are probably familiar with this picture. It was proven by science that it was the only supernatural being that was ever scientifically photographed. C'était la seule. Ça a été prouvé par la science que c'était le seul être surnaturel qui a été scientifiquement photographié. Frère, même les scientifiques ont compris. Un homme comme George Lassie, lui, il avait compris. Il a dit à Frère Branham, il dit, Frère Branham, tant que le monde existera, on parlera toujours de cette photo. Parce que dans cette photo-là, il y a la présence d'un être surnaturel, un être éternel. Et cet être-là, il a toujours été là. Même quand vous marchez, le problème c'est que parfois nous avons peur parce que nous ne savons pas ce qui est avec nous. Nous ne savons pas qui nous sommes, frère.
Et tout celui qui est un fils de Dieu, c'est-à-dire il est sorti de cette logos. Amen. À l'apparition de cette logos, quand moi je n'étais pas encore né, j'étais encore là. Donc quand vous voyez le logos là, la photo là, donc ça dit moi je suis là. Comme là aussi. Là c'était durant les âges de Christ, quand je suis venu la nuit. Et maintenant là, c'est lorsque je suis venu dans le lever du soleil. Le message. Frère Branham dit maintenant, à mon opinion, c'est le même ange de Dieu qui suivait les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'en Palestine. Vous savez, vous, les gens qui sont partis à l'école, ça, c'était l'ange de l'Alliance. Personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que la lumière là, c'était l'ange de l'Alliance. La lumière là, c'était l'ange qui conduisait les enfants d'Israël. Femme a dit que ce n'est personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si nous prenons ça un peu, nous descendons en bas. Nous allons dire, qu'est-ce qui est venu lorsque le frère Branham est né? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est un frère. Dieu est très compliqué. Quand on dit que Dieu est grand, les gens pensent que Dieu est grand en dimension. Voilà pourquoi on dessine un vieillard avec sa barbe blanche et un néné. Pour eux, comme il est Dieu, il doit être gros. Frère, donc, Dieu dans la pensée de l'homme a toujours été le contraire de ce que Dieu est. Voilà pourquoi un homme ne peut pas connaître Dieu sans un prophète. La naissance de Frère Branham, c'était l'occasion pour nous de connaître Dieu. Et quand le frère Branham est venu, quand il a expliqué, il a révélé Dieu, tout ce qui a été dans les anges de Christ était du faux. Lui, il ramène maintenant la vraie pensée de Dieu. C'est, en ce moment-là, l'agneau devait quitter le trône. Parce que l'agneau intercédait pour l'ignorance. La venue du frère Branham, c'est le retour de la colonne de feu qui vient nous ramener la pensée de Dieu pour... pour accomplir les troisièmes desseins qui étaient les rétablissements du royaume. Amen. Dieu avait les trois desseins. Frère Branham, les troisièmes desseins, c'est le rétablissement du royaume. Il dit, c'est Apocalypse chapitre 1. C'est la venue du royaume. Quand vous voyez la venue du royaume, tout ce qui était promis, c'est du passé, frère. L'enlèvement, c'était une promesse sous la colonne de feu. C'est du passé. La résurrection, une promesse sous la colonne de feu. C'est du passé. Parce que nous sommes déjà dans les troisièmes desseins. Si nous attendons quelque chose, qui est-ce qui va s'accomplir? Dans les trois desseins. Frère Branham, les trois desseins de la rédemption, c'était, la dernière, c'était établir le royaume, point barre. Il voulait se révéler, il voulait s'exprimer, et il voulait rétablir le royaume. C'est fini. Quand il rétablit le royaume, c'est fini. Il n'y a plus de dessein à suivre. Dieu clôture avec l'histoire du monde. Maintenant, l'homme comme lui, il attend les promesses selon sa pensée, et il continue à attendre. Zéla, on commence à s'en qui. And when he on earth manifested in flesh, he did not claim to be a great person. He said, the Son can do nothing just as the Father shows him. Quand il était sur la terre, il n'a pas dit qu'il était quelqu'un de grand. Il était humble. Oh, notre précieux frère Bill, il est humble. Il ne crie pas soif quand il réprimande le péché. Exactement les mêmes caractéristiques. Jésus ne guérissait pas tout le monde. Comme disait le pasteur Gaillot. Il dit, quand Jésus est arrivé devant la piscine de Bethesda, il voit quelqu'un qui était là, malade. Il regarde, il saute. Il regarde alors, il saute. Parce que Dieu lui disait, quand il arrivait là, il demandait à Dieu. Dieu dit, non, ce n'est pas lui. C'est comme quand il fallait oindre David. Le prophète, il vient chez Isaïe. Il dit, je suis venu ici pour oindre un de tes enfants. Alors le prophète dit, oh, ça doit être le premier-né. On sort un gaillard, la muscle, regarde, posture, ça c'est un bon roi. Il regarde, il dit, c'est pas lui. Deuxième, c'est pas lui. Troisième, c'est pas lui. Jusqu'à ce qu'on a fait sortir le septième. On dit, c'est pas lui. Il dit, oh, mais c'est fini. Il dit, non, c'est pas fini. Dieu n'est pas bête. Dieu m'a dit dans cette maison. Il dit, mais il reste seulement un petit là, lui, c'est juste un berger. Dit, c'est lui là. Oh, mais lui va être roi comment? Un petit comme ça. Oui, c'est lui que Dieu a choisi.
Ah, frère, les voies de Dieu sont insondables, frère. Même, tu sais, la Bible dit, même quand Samuel est arrivé, quand on a fait sortir le premier-né qui était Gaël, Samuel voulait partir. Même les prophètes, oh frère, les yeux, c'est frère, c'est l'ennemi. Voilà pourquoi, quand moi j'ai lu le frère Branham dire que le corps là n'entrera pas, moi j'ai dit amen. Parce que le corps là c'est l'ennemi, frère. Les yeux voulaient tromper même un prophète de Dieu, frère. Samuel, le grand prophète, il voit comme ça, il dit ah, c'est lui, ben, lui, chut. Il était. Heureusement, lui, il écoutait la voix de Dieu, il est parti s'asseoir. Il dit attends d'abord. Troisième, Seigneur, il dit pas lui. Lui, il ne faisait que transmettre ce que Dieu lui disait. Parce que le fils ne fait rien. Il attend que le Père puisse parler. Jésus aussi attendait le Père. Jusqu'à ce qu'on dit que ah, c'est fini. Il n'y a plus personne. Il dit, oh, il n'y a personne. C'est tout ce que tu as comme enfant. Oui, mais les derniers là, c'est un petit. Non, allez les chercher là-bas. Oh non, bon, ok, on va les chercher, mais Jésus sait que ce n'est pas lui. Donc, le prophète ne se trompe jamais, frère. On a même le petit David qui est là. David lui-même est innocent. Dieu avait un projet sur lui, même lui-même il ne connaissait pas. Il ne savait pas. Un petit là, il vient, il dit, oh papa, oh, aujourd'hui j'ai tué un lion. Il dit, regarde mon enfant, qu'est-ce que je veux dire? Tu vois? Lui, là, il dit, tu as tué quoi? Un lion. Regarde, il a tué un lion. Un petit enfant comme ça a tué. Tu as tué ça comment? Il dit, non, le lion voulait s'attaquer à la brebis. Moi j'ai pris le lion. J'ai tué. Ah David, arrête. Viens avec ma vie. Mais c'est Dieu déjà qui travaille avec David. Et le frère Branham dit, le jour que David s'est tenu devant Goliath. Ah, j'aime Dieu. Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Si les gens pouvaient simplement étudier Dieu, ils vont comprendre beaucoup de choses. Un grand Saoul qui est là, il est là debout. Ah! Moi, je vais battre les Philistins. Il ne savait pas que les Philistins avaient un gaillard comme Tombo de Kembe. Plus que lui. C'est Saoul vient là. Ah, moi, je vais le battre. Saoul était castrat. On avait un homme qui s'appelait Goliath. Saoul a fait ça. Saoul s'est retiré. Mais, waouh, on va faire comment? Toi, tu es l'homme le plus élancé du camp. Il dit, hey, vous avez vu le monsieur là? Il a 6 doigts là-bas, 6 doigts là-bas, 6, 6, 24 doigts. Pendant que moi, j'en ai 20. Non. Mais, waouh, non. Après, on voit toujours le petit David, il vit. Moi, je vais le combattre. Il dit, oh, regarde-moi le petit. Qui là? Moi, je vais le combattre. Comment est-ce que tu sais? Il dit, parce que j'ai été loin. Dans son cœur, il savait qu'il était loin. Il savait qu'il ne peut pas mourir jusqu'à ce qu'il deviendra roi. Donc, David pouvait penser à la mort juste après le royaume. Avant le royaume, David savait que même si je vois un lion, je vais le tuer. Ah, David, tu es sûr? Bon, on ne sait pas, on ne sait jamais. Le Dieu d'Israël est compliqué. Bon, ok. On te donne quoi? On ne donne rien. Ah, David, on ne te donne rien. Non, non, rien. David, toi aussi. Ok. Prends seulement mes armures. Il prend les casques de Saoul. Lui, il était petit comme ça. Saoul Casta, il donne ses casquettes, ses casques. Il met sa cousine, il avance un pas, deux pas. Ah, il dit non. Ça va m'empêcher de combattre. Enlevez. Mais tu vas partir comme ça, on va te tuer. Regarde, le général, il a les lances, il a tout. Non, je vais partir avec le Dieu d'Israël. Mais qu'est-ce que tu es? Il dit que non, j'ai seulement une forme. Lance-pierre. Ah, David, avec cette petite pierre-là, toi, tu vas tuer Goliath. Il dit, bon, je vous ai dit que moi, j'ai tué un lion. Goliath n'est pas plus qu'un lion. Ok. David, vas-y. David, voilà. Tout le monde était regardé. Ah, la petite, elle est terrible. On va regarder son scénario qu'il va faire là. David arrive là. Il fait. Waouh! Une petite pierre. David, frère Branham dit que David avait 5 pierres. Mais Goliath n'était pas capable de supporter les 5 pierres de David. Une seule pierre. Frère, une seule portion de la révélation, il disait Panzani, frère. Le grand tabernacle s'écroule, frère. L'enlèvement s'est dépassé. Ah, frère! L'église est pas en train. La révélation.
Parce que n'ajoute pas les cinq pierres, parce que la dernière pierre, frère, la dernière cartouche, frère. Nous sommes déjà dans le huitième jour. Ah! Là, vous êtes des Belzéboules, c'est fini. Faut pas avoir contact avec ces gens, c'est des sorciers. Et pourtant, nous sommes là. Quand David a lancé la pierre comme ça, le grand Goliath est tombé par terre. Tout, c'est fini. Les Philistins ne régnaient plus sur Israël. Ah, David. Saoul était là, il avait compris que c'est fini. Maintenant, dans la pensée de Dieu, pour Israël, le roi, c'était David. Mais pour Israël, pour les humains, c'était Saoul. Mais Dieu avait déjà enlevé Saoul dans sa pensée. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ne regardez pas le grand Goliath avec son grand église, avec sa grande église. Rien à voir. La pierre de David va le faire tomber. Dieu qui vient pour être incarné dans un homme. Mon appareil va décharger. Il me reste 6%. Je vais prendre ça. Le frère Madame dit, dans son opinion, c'était le même Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus qui est venu dans les longues cabines, dans les meubles. Et le frère Madame dit que cette lumière-là m'a accompagné durant toute ma vie. C'est-à-dire que Jésus m'a accompagné durant toute ma vie. Maintenant, écoutez ceci. Frère Branham dit dans la question-réponse, parlant de la divinité, les gens pensent que quand on parle de Jésus, c'est juste l'homme de Galilée. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il y a trois dispensations, et c'est ce qui a embrouillé les trithéistes. Dieu le Père était l'esprit qui s'étenait au-dessus des enfants d'Israël, dans la colonne de feu. Pas vrai? Dieu était là. Donc la colonne de feu qui était sur les enfants d'Israël, le frère Branham dit que Dieu était là. Et aujourd'hui, nous avons la même colonne de feu, nous disons que Dieu n'est pas là. Et Dieu, ce n'est pas un nom, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, dans la colonne, pas vrai, Dieu était là. Ensuite, Dieu a été fait chair et il a habité parmi nous. Pas vrai, dans son Fils. Maintenant, il s'est abaissé jusqu'à entrer dans le cœur de l'homme par le Saint-Esprit. Maintenant, où est Dieu? Dans le cœur de l'homme. À bientôt le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je serai avec vous et même en vous. Parce que quand on cherchera Dieu, on ne le trouvera pas. Le frère Madame dit, Dieu est comme une règle graduée de 3 pieds, c'est-à-dire de 90 cm. Donc comme ça. Donc ça c'est une règle de 90 cm. On divise ça en 3. 30 cm. 30 cm. 30 cm. Et tout ça, c'est Dieu. Amen. Il dit, une règle graduée de 3 pieds, 90 cm. Oui, les 12 pouces, 30 cm du débit, c'était Dieu le Père. Ok? Dieu le Père. Il dit ceci. Les 12 pouces, c'est-à-dire 30 cm suivants, Dieu le Fils. Il dit, c'était Dieu,
Il dit, les derniers 12 pouces, c'était Dieu, le Saint-Esprit, le même Dieu. Amen. Amen. Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est le même Dieu. Là, il ne fait que changer de forme. Et dans son dernier, dans sa dernière forme, il prend maintenant la forme de l'épouse. Parce que le frère, par exemple, lui-même faisait partie de l'épouse. Et à chaque fois que Dieu change de forme, Dieu se déverse dans sa plénitude. S'il était ici dans la plénitude, ça veut dire que dans le Fils aussi, il était dans la plénitude. Quand il finit avec le Fils, il doit venir maintenant dans cette dimension aussi, dans sa plénitude. Donc ça veut dire que quand il change, il devient Fils, le Père disparaît. Parce qu'on ne peut pas avoir deux dieux. Quand il devient le Fils, tout ça, ça disparaît. Quand il devient le Saint-Esprit, le Fils disparaît. Il est l'épouse. Quand les hommes cherchent Dieu, il est là. Mais avant de se déverser totalement, il était d'abord dans son prophète. Voilà pourquoi la colonne de feu est venue pour remplir ce bébé-là dans le but d'amener un exode. Dieu dans la continuité. Ça, c'est un problème, frère. Mais Jésus a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Car je est un pronom personnel. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Mais alors, où est le Saint-Esprit? Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai et je serai avec vous. C'est ça. Le même Dieu qui était avec eux, qui est reparti sous forme de la colonne de feu et qui est revenu en lui. Et c'est le même Dieu qu'on a vu avec William Murray O'Brien lorsqu'il est né. Maintenant, la colonne de feu, nous comprenons que c'est Dieu lui-même. Maintenant, cette colonne de feu est venue faire quoi? Laissez-moi prendre une prédication ici. En effet, quand il était sur terre, il a dit, je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. Or, quand il conduisait les enfants d'Israël, il était la colonne de feu. Et il a été fait chair. Puis il est retourné à cette même colonne de feu. Où est Jésus? C'est le même Jésus de Galilée. Voilà pourquoi le frère Branham dit que le même Jésus de Galilée qui a marché dans les rues de Galilée est ici. Amen. Le monsieur là est ici. Simplement qu'il a changé de forme, mais c'est toujours lui. Quand les gens attendent ce monsieur là, pendant qu'il est là déjà, les chemins de Maus, les âges de l'église, il est venu faire quoi? Dans la dispensation de la nuit. Je vais prendre votre vie était digne de l'évangile. Le frère Bonhomme dit ceci. Votre vie est digne de l'évangile. Il dit, maintenant ce soir on enregistre, ce matin. Si Jim est ici, ou s'il enregistre. Je pense que sur la bande, quelqu'un a attiré mon attention là-dessus. J'ai dit, les deuxièmes exodes, je ne voulais pas dire deuxième exode, c'était troisième exode. Les Saint-Esprit sous la forme d'une colonne de feu. Les Saint-Esprit sous la forme d'une colonne de feu. Dans la colonne de feu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Dieu descendant dans une manifestation a introduit les premiers exodes. La colonne de feu, quand ça a apparu, ça a conduit les premiers exodes. Quand la colonne de feu est venue au temps de Jésus, dans cet homme, ça a conduit le deuxième exode. Maintenant, le Pharaon dit que le mystère du retour de la colonne de feu, quand cela revient encore, ça vient conduire le troisième exode. Or, l'exode, c'est sortir d'un pays et entrer quelque part. Le frère Branham ne pouvait pas nous laisser en plein exode, frère.
La colonne de feu est venue pour nous amener dans l'Exode, et le frère Branham est venu, il est mort, il est parti. Nous sommes tous dans l'Exode, nous continuons à marcher. Frère, nous allons être au ciel, frère. Mais qui vous connaît, votre Moïse? Quand Moïse a quitté la scène, Josué avait remplacé. Mais dans cet âge, Moïse et Josué, c'est toujours le frère Branham. Parce que là-bas, Moïse avait frappé le rocher deux fois. Quand le frère Branham est venu, lui, il n'a pas frappé le rocher deux fois. Parce que si Moïse n'avait pas frappé le rocher deux fois, Josué et Caleb ne seraient jamais là. C'est Moïse qui avait la charge. Et eux, ils étaient la continuité de Moïse. Et aujourd'hui, le frère Branham est arrivé au bout de son ministère. Il dit ceci. Dans la même prédication. Le deuxième exode, c'était Christ qui faisait sortir l'église du judaïsme. Vous allez voir que le deuxième exode change déjà. Le deuxième exode, ce n'est plus quelque chose de physique, frère. Amen. Quand on cherche maintenant un enlèvement, c'est-à-dire que le corps là va partir, ça c'est le premier exode. S'il fallait sortir avec le corps physique, ça il faut parler du premier exode. C'est là où ils ont pris un tabac, ils ont pris un chameau, tout ce qu'ils possédaient, les mêmes et tout ça. Ah, oh, frère, les libérateurs sont venus. Allez, rassemblez vos histoires. Ils commencent à rassembler les histoires parce que c'était le premier exode. C'était un exode physique. C'était un voyage physique d'un pays naturel à un autre pays naturel. C'était ça le but de la descente de la colonne de feu. Tant que la colonne de feu n'était pas descendue, Israël n'allait pas sortir de l'Égypte. Lorsqu'ils ont vu la colonne de feu, ils avaient compris que notre séjour en Égypte, c'est fini. On doit maintenant se mettre debout pour partir. Et ils ont commencé à marcher avec leurs choses physiques. Maintenant, quand Jésus est venu, avec les deuxième exode, c'était rien de physique déjà. Je ne sais pas comment est-ce que les gens vont venir chercher les choses physiques dans les troisième exode, frère. Les deuxième exode étaient compliqués déjà pour les juifs. Le judaïsme, c'était leur religion en Égypte. Quand ils priaient, Jéhovah les exaucer. Dans le judaïsme. C'était quelque chose que Jéhovah acceptait. Maintenant, quand Jésus est venu, le judaïsme, hein, c'est fini. Il dit, mes amis, arrêtez avec le judaïsme. Parce que lui, il est venu le conduire du judaïsme, hein, au baptême, hein, du Saint-Esprit. Ça, c'était le deuxième qui sortit. Quand ils arrivent dans le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire c'était sa Cana. Amen. Quand ils arrivent à Cana, le baptême du Saint-Esprit, c'était la fin du deuxième exode. Et quand Paul commence maintenant, il commence le troisième exode. Mais avec Paul, la colonne de feu était visible dans les premiers âges de l'Église. Ça a disparu, ça a toujours été là, parce que c'était les sept esprits dans les âges, de l'Église. Mais quand nous sommes arrivés au dernier messager, la colonne de feu doit réapparaître pour vous montrer que nous sommes arrivés à la fin du troisième exode. Donc le troisième exode a commencé depuis le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que depuis la chambre haute, ça a commencé avec Paul en Éphèse, ça a acheminé jusqu'au temps du frère Branham. Et quand le frère Branham quitte la scène, le troisième exode doit déjà prendre fin. Amen. Il dit ceci. Voyez hors du naturel, hors du spirituel. Et les spirituels hors du spirituel. Les trois, voyez, les spirituels hors de l'Église, plutôt. Alors, nous avons les trois âges de saints, trois exodes. Nous vous demandons de vous procurer, si vous le pouvez, ce message, le troisième exode. La troisième fois, que la lumière, que l'ange du Seigneur qui a appelé le peuple à un exode, s'est montré visiblement sur la terre au cours d'un exode. Voyez, moi je trouve ça vraiment remarquable, le troisième exode. Exode. Donc quand la colonne de feu descend, ça nous sort des âges de l'Église. Amen. Prenons notre deuxième Bible. Quand Christ a été rejeté, il est venu ici, avec Paul, en Éphèse. La colonne de feu a apparu. C'était un mystère. Et la colonne de feu a marché durant les âges de l'Église. Ça arrive dans l'âge de l'Odyssée, avec le frère Branham. La colonne de fer réapparaît. Et ici, c'était le dernier âge. Il fallait maintenant finir, comment, le deuxième exode.
Non, le troisième exode, pardon. Le troisième exode, c'est les âges de l'église. Et maintenant, on nous fait entrer maintenant où? Dans les troisièmes, dans les pays. Amen. Amen. C'est comme les deux, les deuxièmes exodes de Jésus n'étaient pas physiques, les troisièmes exodes non plus est physique. Donc les choses physiques ont fini avec le premier exode. Les deux exodes, ça n'a rien de physique. Nous maintenant, nous commençons notre exode par le baptême du Saint-Esprit. Mmh. Donc dans les messages, les gens disent, oh frère, moi j'ai été baptisé Saint-Esprit. Au baptême, au baptême. Là, tu viens de commencer. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas la fin. Mmh. Et le frère madame vient et dit que tu peux être baptisé Saint-Esprit et aller en enfer. Parce que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le sommet. Le sommet, c'est entrer dans la nuée, frère, dans le huitième jour. C'est là où nous arrivons à la révélation de la forme de David. Ça, ça fait crouler les églises. Les églises, tout entier, tous ces gens-là, ils parlent du baptême du Saint-Esprit. Oh frère, nous allons faire la ligne de prière pour le baptême du Saint-Esprit. Quand la personne viendra là, alléluia. Saint-Esprit, écoutez. Comme un frère me dit, oh frère, j'ai un témoignage, frère. Le jour que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, frère, j'étais là, j'ai senti un feu qui entrait jusque au niveau du cœur. Moi, je dis, oh, ça y est. Ces jours-là, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Ça, madame, le mystère du baptême du Saint-Esprit, ça, sensation. Frère, Marie n'a eu aucune sensation. Quand Marie était remplie de Jésus, dans son ventre, aucune femme, madame, dit que si Marie avait eu une sensation, vous allez faire de Dieu son mari. Donc ça n'avait rien à voir avec le corps de Marie. Dieu a mis tout. Marie était normale. Mais là, je lui dis que tu vas enfanter un fils. Dis, moi, je ne connais pas les hommes. Il dit, non. Tu seras couvé par l'ombre du Saint-Esprit. Marie dit qu'il me soit fait selon. Et à ce moment-là, Marie n'avait rien senti. Mais Marie avait cru directement et couvert Élisabeth. Hé, Élisabeth, tu sais ce qui s'est passé? Non, l'ange est venu vers moi. Donc, tu vois Esaïe 9, 6 là, c'est moi. Non, Marie savait à qui parler. Marie savait qu'Élisabeth était une femme de foi. Parce que là, si elle était partie parler, si c'est à Hortense, ça allait être des problèmes, frère. Allez, allez, Esaïe, non. Yéna. Esaïe 9, c'est elle. Elle est partie chez Élisabeth. Elle dit, ma cousine. L'ange m'a visité. On m'a dit que c'est moi, la mère, qui va enfanter le fils qui a toujours été promis. Donc quand Marie était là, et regardait Caïphe dans son église, Marie savait que c'était du fou. Parce que Marie avait la promesse dans son ventre, frère. Sans ascension, Marie était là. Elle pouvait aller dans son église. Oh le Messie, quand il venait dans son église, Marie a dit, Zawa. Amen. Le Messie est là dans les ventres d'une jeune fille de 18 ou 19 ans. Tout le monde était dans la confusion. Mais Marie avait la promesse. Pourquoi? Parce que les gens ne suivent pas la parole. Jusqu'à ce que Joseph même, Joseph dit, ah, Marie, bon, je t'aime beaucoup. Je sais qu'Esaïe avait promis qu'une vierge concevra. Ah, Marie, bon, j'ai des horaires. Marie dit, mais mon mari, l'ange m'a visité, l'ange m'a parlé, et moi j'ai cru, c'est tout. Je dis, bon, ça va, ok, il n'y a pas de problème. Bon, comme ça, on va rompre, hein. On finit seulement le mariage, mais je ne le dirai à personne, sinon on va te lapider. Ah, Dieu intervient. Il dit, Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Avant le mariage. Ta femme, ils étaient confiancés. Parce que l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Donc c'est Dieu qui avait parlé à Joseph. Si ce n'était pas Dieu, Joseph n'allait pas croire à sa frère. Joseph, un croyant frère. Et maman, t'as blague d'elle. Ça, frère, j'ai entendu parler de Dieu. Mais maintenant, je vois. Frère, sans le frère Branham, tu es perdu.
Tu vas rien comprendre de Dieu. Quand Joseph a vu ça, Joseph a commencé à prendre soin de Marie. Ce n'est pas parce que Marie lui a dit. C'est Dieu qui lui a dit. Voilà pourquoi la révélation, c'est Dieu qui doit te dire, pas une personne. Moi, je peux prêcher ici, mais c'est lui qui m'a dit que je vous donne la révélation. C'est Dieu qui te donne la révélation. Entre toi et Dieu, Dieu te parle. Quand tu viens ici, tu écoutes la prière, tu dis Amen. Pourquoi? Parce que tu as déjà vu ça aussi. L'enfant était déjà là. Amen. Le troisième exode. La prédation, l'accusation. Je vais finir bientôt. Nous voyons que quand il a convoqué son premier exode, il allait devant eux dans une colonne de feu. Et il les a conduits vers. Il les conduisait vers un pays. Ou plus tard, il est apparu devant eux sous la forme d'un homme appelé Jésus-Christ. Celui-ci est venu de Dieu. Il s'en est allé à Dieu. Alors il a été rejeté. Et là, il était venu pour appeler un peuple à sortir de l'état de formalisme dans lequel il s'était retrouvé. Enfin, les églises sont dans le formalisme aujourd'hui. Réunion de ceci, réunion de ceci, réunion de couple, réunion de ça, sans révélation, frère. On ne peut pas convoquer une réunion de la parole. Là, on appelle tout le monde, frère. Venez, mais appelez tout le monde, même si tu crois que frère, voilà, mais Dieu, viens ici, viens parler. Tu nous montres avec les Écritures, si tu as raison, nous allons croire. Moi, je vis une réunion en Cape Town. Les gens de Branham Dieu sont venus. Le pasteur Laurent aussi était là. Ils ont parlé, ils ont démontré. Quand Laurent a pris ça, il a démontré la divinité de Jésus, il a séparé le corps et l'homme intérieur. Ben Moutoumou était là, K.O. Ils ont dit, jamais, plus jamais on laissera Laurent parler à la dernière personne. Quand j'ai suivi ça, je dis que cet homme a dit. Appelez les gens. Venons, plaidons. Faisons une. Moi, j'ai toujours dit que je vais organiser une convention que je vais intituler Sac d'amour. Le match quatre. J'invite tout le monde, frère. Que chaque personne vienne démontrer ce qu'il croit ici. Sans sujet. On commence la divinité, enlèvement, tout. Viens nous montrer que l'enlèvement, ce n'est pas encore passé, nous attendons. Viens nous montrer que la résurrection, nous attendons. On est d'accord. Viens. On va faire des réunions comme ça. Aujourd'hui, les réunions sont simplement les réunions de couple. Vous venez, vous mangez, vous allez à l'hôtel, tout. Et après. C'est bien, mais on va faire les réunions de couple et la réunion de la parole. Comme ça, les couples sont là. De terrible amour. Amen. Amen. Il dit, il s'est allé à Dieu. Voilà. À sortir de l'état de formalisme dans lequel il s'était retrouvé. Comme celui dans lequel il s'était retrouvé là-bas en Égypte. Alors qu'il s'était livré au péché, aux voies de des Égyptiens. Et Dieu les avait appelés à sortir. Vous savez que lorsqu'on les appelait à sortir, beaucoup de gens ont refusé. Corée et Nata, ils sont partis simplement à contre-cœur. Ils ne voulaient pas partir. Parce que je crois que c'est Data. Data, lui, il était un mouchard. Lui, il travaillait directement avec les Égyptiens. Il travaillait avec les FCC de l'Égypte. La nuit, il était là. Si vous regardez le film de Moïse, là, mais Data avait une bonne vie. Une belle maison, bien assis. Installé, frère, en Égypte. Est-ce qu'on t'a dit que c'était ton pays? Bien installé, église, mon aîné. Quand on vient maintenant, dire, on avait une promesse. Il y aura un prophète qui nous fera sortir d'ici. C'est le moment de partir maintenant. Data commence à discuter. Oh, est-ce qu'on va partir? Est-ce que nous, c'est pas parti? Est-ce que c'est obligatoire? Non, peut-être que ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas qu'il rejetait Moïse. Ce n'est pas parce que Moïse était faux. Parce que lui, il ne voulait pas partir. Beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas sortir de l'Égypte. Ils sont déjà bien assis. Ils ont érigé des empires qui vont de père en fils. Il a déjà cette vision. Quand je vais quitter, mon fils, là, c'est lui qui va me remplacer. Déjà, le fils, déjà, on l'entraîne. Même si le fils n'est pas prédicateur, on fait de lui un prédicateur. Parce que c'est une fondation, la famille. Fondation Kingal, fondation Intel. Ils sont dans le formalisme, mais le troisième exode nous appelle à sortir de tout ça.
Qui va croire? Je vais finir là. Voici les mêmes groupes de gens du temps de Jésus-Christ. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Voyez, frontalier. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire ces choses que tu fais. Nous reconnaissons qu'il faut que Dieu soit avec toi. Pourquoi ne l'ont-ils pas accepté? Pourquoi ne l'ont-ils pas reçu? Frontalier. Ils étaient des chrétiens frontaliers. Ils n'aiment pas la parole, frère. Le troisième exode. Aujourd'hui, il les amène du baptême spirituel du Saint-Esprit directement, frère, sans arrêt, sans escale. Amen. Ok? Directement dans le pays éternel du millénium et du glorieux au-delà. Le pays éternel du millénium. Le millénium, c'est 1000 ans. Le pays éternel, mais comment ça peut être éternel et millénium à la fois? Voilà pourquoi il y a la différence entre le millénium élément temps et le millénium du pays éternel. Le millénium du pays éternel, c'est le 8e jour. Parce que le millénium élément temps, c'était le 7e millénaire, le 7e âge de l'Église. Voilà pourquoi le frère Balaam dit que les autres morts, la Bible dit, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fussent accomplis pour arriver à la résurrection générale. Et le troisième exode nous a introduit au pays éternel du millénium. C'est là où nous sommes maintenant. Parce que le troisième exode, c'était les anges de l'Église, ça préfère. C'était la colonne de feu. Lorsque vous voyez la colonne de nuée arriver, c'est-à-dire que la colonne de feu, ça n'a été si. C'est-à-dire que nous sommes sortis de la nuit. La nuit n'existe plus. Nous sommes maintenant dans le lever du soleil, en pleine journée. Shalom, c'est là où nous sommes. C'est le lever du soleil. Vous voulez garder la colonne de feu? La colonne de feu, son travail, c'est de nous faire sortir des âges de l'Église. Nous sommes sortis de là. Nous sommes entrés maintenant dans la lumière du Fils. Nous sommes entrés dans le lever du soleil. Nous sommes entrés dans la ville de perles et de lumière. Cette cité où l'agneau est la lumière. C'est lui qui était la lumière dans la ville. C'est lui qui donnait, éclairait la ville. Et les gens de dehors venaient pour nous donner les honneurs. Ils disaient honneur à la ville sainte. Et la ville sainte de Frère Branham dit que c'est l'épouse. Amen. C'est nous la ville, frère. Frère, on dit que quand j'avais vu la ville, il dit, je vois une épouse qui s'est parée comme une femme qui s'est parée comme une épouse pour son époux. La ville, c'est des humains. Frère, si vous allez dans une forêt là, s'il n'y a personne, ce n'est pas une ville. Quand vous, si vous déboisez, vous construisez, les gens habitent là-bas, on dit la ville. Mitokis n'était pas une ville jusqu'à ce que les gens sont venus habiter ici. Ceux qui font Mitokis, c'est toi et moi. C'est nous, la ville de Mitokis. Quand je vais quelque part, on dit, ah, tu habites où? J'habite à Mitokis. Je suis le représentant de Mitokis. Voilà pourquoi, quand vous voyez le Congo voyager, on ne prend pas tous les Congolais. On prend un seul Congolais. Il voyage. On dit que ah, le Congo est là. Ah, est-ce que moi j'étais là? Non, mais le Congo est là. Si le Congo est là, moi en tant que Congolais, j'étais aussi là. Et voilà le frère Balaam, quand il a été pris dans la nuée, et moi aussi j'étais là. J'ai été pris avec lui. Donc, c'est-à-dire que la colonne de feu, c'était pour introduire le troisième exode. Le mystère du retour de la colonne de feu a fini le troisième exode. Ça nous a introduit dans le pays éternel du millénaire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Hallelujah.
Seigneur bénisse, nous sommes arrivés à la fin. La musique continue.